Toposcope présente 20 photos d'étoiles Nickelodeon tous grandis. Nickelodeon est un réseau destiné aux enfants, donc nous ne pensons généralement pas de ces étoiles comme étant attrayants. Cependant, certains d'entre eux sont très différents quand ils sont hors jeu, tandis que d'autres ont grandi considérablement depuis leur temps sur écran. Vous montrera 20 des photos de Stimiest des stars de Nickelodeon. Avant que votre écran brouillard jusqu'à être sûr de frapper le bouton subscribe et allumer ce notification. Vous pourriez la connaître de ses rôles de vilains adultes dans des spectacles comme American Horror Story et Scream Queen. Mais l'actrice Emma Robert était juste un enfant sur Nickelodeon non fabuleux. Non seulement ses clichés de sont torrides, mais ils sont complètement retouchés dans le cadre d'une campagne publicitaire pour Eric. Elle est vraiment magnifique. Elle a joué une fois Ariel espion, mais maintenant elle est plus susceptible d'être l'un étant espionnée. Michelle Trachtenberg a mis son cahier en faveur de la lingerie, talons, et bas dans ses photos prises pour Maxime Magazine. Il semble que, hier, Ariana Grande était en vedette sur Victorieux et Saumon et 4, où elle était connue pour se quereller avec ses co-stars derrière la scène. Bien qu'elle puisse encore être une figure controversée, sa figure physique est celle que nous ne pouvons pas aider, mais apprécier. Nous avons deviné que l'actrice Jo Elstead a juste une chose pour l'espace. Nous l'avons rencontrée comme Catalina sur Nickelodeon Space Cave, avant qu'elle ne devienne connue comme l'aimable Cal sur Pyrofly. Ce qui est logique parce que ses regards sont définitivement hors de ce monde. Rosa Blasi est toujours forte dans son rôle de Barbe sur la série Nickelodeon Le Thunderman. Non seulement elle agit sur un réseau d'enfants réussis, mais elle est aussi une femme et une mère, mais parvient toujours à regarder absolument incroyable. Ça fait quelques années que nous avons vu l'actrice Daniela Nova mettant en vedette dans OUI Academy et Tous les Moyens. Elle a seulement grandi plus belle pendant ce temps, et nous espérons certainement la voir revenir sur la caméra bientôt. La justice de Victoria est une étoile de Nickelodeon Alt, et est apparue dans beaucoup de leurs spectacles, y compris en vedette dans les deux ES101 et Victorieux. Sans oublier ses nombreuses autres apparences. Nous ne pouvons pas attendre de voir quel rôle Nickelodeon la met en prochaine. Elle a été à l'écran si souvent depuis lors qu'il peut être difficile de se rappeler que Natasha Williams a joué une fois dans si peu de temps et Roméo sur Nickelodeon. Depuis lors, elle a montré ses talents de chanteuse sur American Idol, et montré hors son bon look comme un modèle. Elle était une fois sur Avez-vous peur de l'obscurité, mais il a été une longue temps depuis que Johanna Garcia a prétendu être effrayée d'une histoire effrayante. Bien que nous ne serions certainement pas l'esprit de curling avec elle en face d'un feu de camp rugissant. Pour les enfants de 90 ans, l'adaptation télévisuelle du livre Tani Morph était une affaire énorme. Il s'avère que, après son temps sur Nickelodeon, elle se transforma en de nombreux autres rôles, et est apparue sur Break Cooking, Appelez-moi vite c'est le 4400. Nous avons adoré la voir dépeindre le courageux Sam sur Carly, et le spin-off Sam et Kat. Elle est apparue sur de nombreux autres spectacles Nickelodeon ainsi, et nous savons que nous sommes à la recherche pour qu'elle prenne des rôles plus adultes à l'avenir. Quand nous étions enfants, nous avons adoré regarder Melissa Jean-Hart expliquer le monde à nous sur Clarissa Explique du tout. Cependant, de nombreux fans de son image saine ont été à la recherche d'une explication quand elle a commencé à apparaître dans moins de photos conviviales pour la famille.
Nous nous souvenons d'elle de retour dans la journée où elle était Nina Jaune sur le Nickelodeon voir l'établissement Cousine Scuté, mais bon beaucoup de rôles de télévision et de films depuis. Comme elle est normalement une célébrité, elle a décidé de s'habiller comme une serveuse à partir d'un certain chien restaurant à Nantes pour Halloween. Elle a agi depuis qu'elle a fait ses débuts à Broadway à 15 ans, et plus tard a joué Jade West sur Victorieux. Après cela, elle a continué à jouer plus de rôles adultes, y compris apparaissant dans la série comédie Sex et Drug et Roll. Un autre Nickelodeon All-Star qui est apparu dans Victorieux est Daniela Monet. Elle a été dans une tonne d'autres spectacles Nickelodeon, y compris l'hébergement de la game show Paradise Run. Son corps de travail jusqu'ici a été très familial, mais nous ne peut pas attendre de voir quel genre de projet qu'elle prend à l'avenir. Son temps sur Nickelodeon était courte mais douce comme elle a joué dans la série 100 actes pour Eddie McDodd. Brenda Song fait une brève escaladine avant de pleinement embrasser des rôles plus adultes sur le grand écran. Nous nous souvient d'abord l'avoir comme folle Caroline sur Ta 70 spectacle avant qu'Alison Moon a commencé à apparaître sur Nickelodeon. Elle joue la mère sur Nikki, Ricky, Dicky et Donna qui est actuellement en sa troisième saison. Erin Sander a été l'une des stars de The 101, et elle n'a jamais manqué un épisode 2. Quand elle n'agit pas sur des émissions de télévision, Sander aime passer son temps mort se détendre et faire quelques pauses de yoga sur la plage. Quand il s'agit de corps impressionnants de travail, bien sûr, Keke Palmer fait d'elle notre liste. Elle est apparue dans de nombreux films, y compris le Long Shot et la Réunion de Famille Meda, ainsi que le spectacle Nickelodeon True Jackson, VP. Vous la connaissez peut-être d'une de ses nombreuses apparitions de films, ou parce qu'elle est mariée à l'acteur Ben Stiller, mais Christine Taylor était une fois une star Nickelodeon. Elle est apparue une fois sur le spectacle Bien-aimé et Dude comme Melody en son, mais elle n'a pas eu de pénurie de rôles plus adultes ainsi. Merci de regarder la vidéo et abonnez-vous mon canal.